Hello, hello et bienvenue sur la chaîne Beauté Régénérée. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui une vidéo beauté, une vidéo routine visage. Je vais vous présenter quatre étapes clés, quatre étapes essentielles pour avoir une peau saine et revivifiée. Donc il faut savoir que la peau c'est un organe émonctoire. C'est l'organe émonctoire le plus grand du corps humain. C'est donc le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, de ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme. Donc la peau, elle permet de protéger des agressions extérieures telles que le soleil, enfin les rayons donc du soleil ou encore la pollution. La peau, elle absorbe tout ce qu'on va lui donner. Donc c'est très très important de choisir des produits qui vont être adaptés à votre type de peau, qui ne vont pas l'agresser et qui vont surtout lui redonner donc toute sa souplesse et toute sa brillance. Voilà, il faut en prendre soin aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur pour éviter les problèmes de peau. Donc, avant de commencer à vous donner les quatre étapes essentielles pour avoir une peau saine et revivifiée, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Cécile Bété, je suis experte holistique. Je vous aide à retrouver un bien-être physique et psychologique à l'aide de méthodes naturelles. Je vous aide aussi à vous sentir belle, à vous sentir en harmonie, à retrouver l'équilibre et surtout à prendre votre santé en main de façon holistique, donc avec des méthodes naturelles et holistiques. Alors, donc pour avoir une belle peau, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a quatre étapes que je vais vous présenter dans cette vidéo audio qui sont essentielles pour avoir une peau saine, pour avoir une peau qui respire, pour avoir une peau qui est plus belle de jour en jour. Donc, la première étape, c'est de démaquiller. Donc, le démaquillage, c'est une étape qui est très, très importante. Même si vous ne vous maquillez pas, il ne faut pas sauter cette étape-là parce que justement, comme je vous parlais des agressions extérieures comme la pollution ou les petites particules que vous pouvez avoir chez vous ou à l'extérieur qui viennent se déposer sur la peau, il faut savoir qu'elles peuvent causer donc des problèmes de peau. Donc, il faut passer par cette étape de démaquillage qui est vraiment très très importante. Alors, comment se démaquiller? Vous pouvez le faire avec une lotion que vous mélangez avec une petite huile végétale. Donc ça, c'est vraiment du naturel. Et vous allez voir que, voilà, sur votre coton, il va rester énormément, énormément d'impuretés et de saleté. Même si vous ne vous maquillez pas, bon, pas énormément si vous ne vous maquillez pas, mais il va rester quand même des résidus, vous allez voir, quand vous allez donc passer à cette étape de démaquillage. Donc, ne pas sauter cette étape de démaquillage qui est très très important. Ensuite, nettoyer. Donc, vous allez nettoyer à l'aide d'un gel liquide, à l'aide d'un lait nettoyant. À appliquer sur le visage de façon homogène avec un petit peu d'eau. Donc évitez l'eau du robinet parce qu'elle est très très calcaire, surtout dans nos régions. Préférez plutôt de l'eau de source, voilà une petite bouteille d'eau de source que vous appliquez après sur le visage. Ensuite, pour sécher le visage, une petite serviette qui est destinée à cet effet. D'accord? Ne pas utiliser une serviette qui est que vous utilisez aussi pour le corps. Non, non, non. Pour le visage, ayez donc vos accessoires à part. Donc une petite serviette qui est vraiment dédiée au nettoyage du visage. Ou bien utiliser des mouchoirs. Hein, ça fera aussi très bien l'affaire.
Ensuite, en troisième étape, donc tonifier. Donc vous pouvez tonifier à l'aide d'une lotion, hein, à l'aide d'un hydrolat floral. Donc voilà, vous prenez donc un petit peu de lotion, vous vaporisez, si elle est en spray, vous vaporisez un petit peu sur le visage et vous en mettez aussi un petit peu sur le coton. Et donc voilà, ça vraiment tonifié, ça va parfaire cette étape, elle va parfaire donc le démaquillage, ça va enlever les dernières impuretés que vous pourrez retrouver sur votre visage. Donc tonifié, ça vous permet vraiment de resserrer les pores et d'avoir un visage un peu plus éclatant, un peu plus vivifié. Et donc voilà. Une petite lotion ou un hydrolat de floral avec un petit coton ou même sans coton, vous pouvez très bien pulvériser votre lotion sur le visage et tapoter un petit peu. Voilà, si la lotion elle est en spray, c'est très très bien. Vous tapotez un petit peu, vous pulvérisez un petit peu sur le visage et vous tapotez. Ensuite, la quatrième étape, donc c'est d'hydrater. Donc cette étape, elle est aussi très très importante parce que pour avoir une peau qui est donc une belle peau, une peau qui respire, une peau qui est plus lisse et plus saine, une peau qui aussi qui est comment on va dire ça oui, qui respire et qui est de plus en plus belle. Voilà, pour sans faire apparaître aussi voilà, les problèmes de peau, les petits boutons ou les petites taches qu'on peut avoir sur la peau. Il est très très important d'hydrater la peau. Alors, vous pouvez hydrater la peau avec une crème qui est donc adaptée à votre type de peau. Donc, il existe plusieurs types de peau. Donc choisissez bien une crème qui va vous donner toute satisfaction au niveau de votre peau. Donc c'est pour ça qu'il est important donc de voir quel type de peau vous avez avant d'acheter vos crèmes et surtout acheter des crèmes qui vont être adaptées hein, à votre peau, qui ne vont pas être toxiques. Donc tournez-vous vraiment vers des produits qui sont de plus en plus naturels parce que donc à long terme ça peut devenir donc néfaste pour votre peau. Donc voilà, donc hydrater, la quatrième étape c'est l'hydratation qui va repulper votre visage, qui va donc nourrir votre peau du visage et qui va lui faire le plus grand bien. Donc ensuite, moi j'aurais peut-être une cinquième étape à ajouter. Ce serait donc de prendre soin de la peau de l'intérieur. Parce qu'on sait très bien que quand on a, surtout quand vous avez des problèmes de peau, c'est important. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Donc prendre soin de sa peau à l'intérieur à l'aide de jus de légumes et de fruits frais qui vont faire en sorte d'éliminer toutes les toxines qui stagnent dans l'intestin. Voilà, les jus de légumes et de fruits frais, comme je vous ai dit, c'est vraiment une panacée. C'est ce que j'adore et c'est ce que je vous propose dans le programme Soa Beauty Detox. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas. Le lien est dans la barre d'infos. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Mais en tout cas, pour prendre soin de sa peau de l'intérieur, il va falloir nettoyer. C'est que les organes ne sont pas nettoyés. Ils vont au ralenti. Et quand les organes vont au ralenti, et plus spécifiquement l'intestin, vous pouvez vous retrouver avec des problèmes de peau. Donc, nettoyer. C'est la base. Nettoyer l'intérieur, c'est la base pour que ça se reflète à l'extérieur.
Donc voilà, ces 5 étapes, donc je vous ai rajouté une étape parce que c'est une étape qui est très très importante et qu'il ne faut pas négliger, surtout si vous avez des symptômes au niveau de la peau, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Donc nettoyer, voilà, détoxifier, enlever tout ce qui encombre l'organisme et qui ne devrait pas être à l'intérieur de l'organisme, hein, qui bouche. Vraiment le bon fonctionnement de votre corps. Et donc, ce n'est pas seulement la peau qui va en bénéficier, mais c'est votre bien-être général. Donc, voilà. Donc, moi, c'est tout pour cette vidéo audio. Donc, sur la routine du visage, comment avoir une peau plus saine et plus revivifiée. Donc, je vous répète les 4 étapes. Donc, première étape, démaquiller. Deuxième étape, nettoyer. Troisième étape, tonifier. Quatrième étape, hydrater. Et je vous ai bien sûr ajouté une 5e étape qui est détoxifier. Donc, à l'aide de cures, de jus de légumes et de fruits frais. Vous avez aussi, bien évidemment, d'autres cures que vous pouvez faire. Donc avec des plantes, hein, toujours des produits naturels qui vont vous aider à vraiment détoxifier cet organisme, qui vont vous aider à enlever toutes les toxines et à libérer les organes émonctoires. Donc voilà. Pour cette vidéo audio, c'est la fin. Donc je vous laisse. Je vous dis, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre peau, que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur. Et je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu. N'oubliez pas de partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et donc de commenter, hein, si vous avez des questions ou si vous ressentez le besoin de m'écrire quelque chose. N'hésitez pas. Et donc voilà. Je vous souhaite une bonne continuation, pardon, et à la prochaine vidéo. Bye bye!